par Nguyen Loc en 1938. Il rassemble tous les arts martiaux anciens du Vietnam qu'il a codifié et qu'il a amélioré pour créer le Vo Vinh Nam Viet Vo Dao. Donc le Vo Vinh Nam Viet Vo Dao est un art martial vietnamien. Il y a différentes techniques. Il y a aussi bien de la lutte. De la self-défense. Une stratégie de combat, des contre-attaques, des ciseaux, ce qui fait la particularité de l'art martial. Et il est accessible à tous. Au niveau des jeunes, l'art martial leur permet de, déjà au niveau de la santé, les faire bouger. C'est déjà mieux que rester devant une PlayStation ou un écran de télévision. Ça permet surtout d'avoir confiance en soi. Permettre à un jeune d'évoluer dans la société en étant sûr de lui-même. En prenant de l'assurance, tout à fait. Et au niveau des personnes âgées, c'est se tenir en forme et pouvoir défendre en cas d'agression. En cas d'agression, en différentes manières. Il m'apporte la confiance en moi, il m'apporte le bonheur, il m'apporte tout au monde. Dans le Viet Vo Dao, j'aime bien tout ce qui est combat. Et j'aime bien m'entraîner pour la force. Et pour faire des combats plus tard et des compétitions. Et battre dans les autres pays pour gagner des médailles et les coups. Moi, j'aime bien les self-défense. Donc moi je m'appelle Léna Mervet, j'ai 25 ans et je suis vice-championne de Belgique en combat 2018. Le Vo Vinh Nam à la base c'était juste un défouloir, une activité, et puis maintenant c'est vraiment devenu une passion pour moi. En plus j'ai eu la chance de rencontrer une très chouette équipe qui est devenue ma deuxième famille et c'est vraiment un chouette sport que je souhaite continuer à l'avenir. Donc moi c'est Margot et je fais du Vo Vinh Nam depuis... J'ai déjà été champion de Belgique en 2014 avec Florian et champion de Belgique en 2018 en combat et semi-mixte. Alors bonjour, moi je m'appelle Florian, donc j'ai été 4 fois champion de Belgique. J'ai été 2 fois champion de Belgique en plus avec Mardo, celui que vous venez de voir précédemment, en semi-mixte. J'ai été classé 4e au MATA au championnat d'Europe et on va faire un championnat international cette année encore et mondial. Bonjour, moi c'est Michel, je suis pratiquant en Vo Vinh Nam depuis 2002. J'ai passé sa tour jaune cette année, au mois de juin 2018. J'ai participé au championnat qui a lieu à Arstal au mois de mars 2018. Et j'ai terminé par deux médailles de bronze que j'ai ramenées pour le club de Grasse-Logne, ainsi que deux médailles par les autres élèves. Pratiquer du sport tous les jours.